bien, salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve ensemble pour la partie 9 de Mass Effect 3, c'est parti! Allez, on va voir ce qui se passe sur le pont. Donc ici, on va bien évidemment repasser devant les deux indiques qui ne servent strictement à rien. Vous avez vu les vidéos du dévoreur qui vient à bout d'un moissonneur? Qu'est-ce que j'aurais voulu voir ça? Moi, je suis juste contente que les diplomates soient partis. Krogan et Aturien dans la même pièce. En même temps, la meuf elle veut voir ça, mais à chaque fois que je passe par ce coin-ci de la plateforme du vaisseau, ça n'a pas de sens ce que je veux dire. Eh bah, je tombe sur cette nana qui ne sert à rien, c'est génial. Elle risque pas de voir le... Commandant, l'amiral Hackett requiert votre aide contre une base de chasseurs de Cerberus sur Noveria. Ok, nous allons donc aller sur Noveria. On va voir un petit peu ce qu'on a en choix de mission là. Ah, attendez, on va quitter l'orbite, on va aussi quitter la plateforme. Un truc que je veux impérativement changer, c'est ma tenue. En plus, ça tombe bien, j'ai récupéré des nouvelles tenues, là, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a en choice. J'ai envie de vous dire, donc bon, là, on a un email apparemment, on s'en fout. Moi, ce que je veux changer, c'est donc l'armure. Non, l'armure, je peux pas changer, c'est quoi d'ailleurs? Ah, si, le casque. Oh la vache, ah c'est stylé ça, masque de mort. Ouais mais j'ai envie de voir le tête de Shepard moi pendant les cinématiques, donc ça ne me plaît pas trop. Donc ça en garde, les épaulières on a pas de nouveau, les gantelettes pas de nouveau, là pas de nouveau. Matériaux. Il y a un truc qui a un petit peu changé, donc on va peut-être prendre ça, motif. Ah c'est pas mal ça, ça fait un petit peu guerrier, j'aime bien. Couleur du motif, ok, coloration, lumière. On va les foutre en bleu, c'est stylé, voilà, sauvegarder. Alors ici on a donc la musique, tatatac. Moi spectre, nanana, ok, donc là on reçoit pas mal d'emails. Bon là c'est des emails, hein, c'est rien d'intéressant, bon là on a MSN. Terminé, on quitte ça, ça ne sert à rien. Allez, on repart donc sur la passerelle pour enchaîner mission. On va pas s'endormir ici, c'est pas le but de la manœuvre. Allez, pont, passerelle, c'est parti. Je ferai, je pense, une vidéo genre partie 10 pour faire une petite pause et visite du vaisseau. Mais pour l'instant, je vais enchaîner un max de missions pour vous faire rêver un petit peu. Là, je suis déjà à 5h30 de jeu quand même, hein. C'est pas rien. On va aller dans le relais cosmodrique pour voir un petit peu ce qu'il y a en mission. Je vais pas scanner. Alors, et c'est donc rien du tout. Ah si, là il y a un truc. Enlèvement de Cerberus, ouais. Ok. Alors, enquête, des éclaireurs disparus, on peut la faire aussi. Citadelle, rencontrer le conseiller galarien. Je pense qu'on peut faire un petit tour à la citadelle pour changer. Alors, on va se balader à la citadelle. Avant d'entamer l'émission. Jump! Ouh, la jolie citadelle. Allez, on embarque à bord, entrez dans l'orbite. Oui, à quai. Allez, à quai. Contrôle de l'Alliance, ici le SSV Normandie. Autorisation d'accoster? Contrôle de l'Alliance, ici le SSV Normandie en route vers la baie 1-4 secteur Zakera. Sommes-nous autorisés à accoster? Ça ne me dit rien qui vaille ça. Bon sang, qu'est-ce qui se passe là-dessous? Je pense même que si c'était une panne, des systèmes de secours seraient activés. J'ai un mauvais pressentiment. Je vérifie les canaux d'urgence. Non. Qu'avez-vous trouvé? Écoutez ça, commandant. C'est un message de détresse émis en boucle par une tour de transmission. À tous les vaisseaux, la citadelle est attaquée. Ne tentez pas d'atterrir. Cerberus contrôle les quais. Prévenez la flotte consilienne. Expédiez les renforts au QG du SSC. La station tombera avec lui. Eh bien, j'en étais sûr. On aurait dit le commandant Bailey. Où dois-je placer le Normandie? Les quais sont pris. Déployons-nous dans la navette. Rapprochez-nous du QG du SSC. À vos ordres, commandant.
Ça, c'est embêtant. Allez, pour changer, on va sélectionner la gamme féminine. Donc, je vais prendre plutôt Idea, ouais, qui cartonne pas mal. Avec James. Accepté. Au niveau de l'armement, je ne change rien. Ça me plaît, tout ça. Confirmé. Allez, c'est parti. Ah, c'est la guerre sur la citadelle, hein. C'est pas bon du tout. La citadelle est en feu. Allez, action les infinis. Ok vous tous, bienvenue en enfer. Courez à couvert. Oui, chef. La gueule là, ok, donc on va lancer une grenade ici pour calmer un petit peu les ardeurs de nos amis. Ok, on va repasser en balle, on défonce. Mort. Ça mitraille pas mal là, ouais. Là, je pense qu'il va falloir utiliser une petite grenade. On va rester à couvert. Bon, je vais essayer de pas crever. Donc la touche de Medigel C3, merci de m'avoir signalé ça dans les coms. Allez, encore un petit tir et ça devrait être bon. C'est bon, ça a occupé de la tourelle. On va défoncer l'un des. Voilà, terminé. Je suis en train de tirer à travers le corps de Shepard, donc on ne voit pas ce qui se passe. Allez, on avance. Peut-être changer d'arme. Ça dégage bien. Ouh là là, on tire dessus là. Il y a Yara qui est morte, c'est génial. Allez, terminé. J'aime bien cette arme, hein, ça dégage bien ça. Allez, on monte là-haut. Attention, ils ont scellé l'entrée. Allez, dégage-moi ça. Nickel. Allez, réanime-moi ça, ouais. Ok, James est là. Hop, un petit coup de pompe, ça calme toujours. Shepard ! Alerte, les points d'évacuation sont actuellement inopérants. Ouais, j'ai bien fait de prendre le... l'androïde. Ici, on va parler à Bailey. Bailey, vous êtes grièvement touché. Tout va bien. C'est moins grave qu'il n'y paraît. Il était temps que la cavalerie arrive. J'espère qu'on n'arrive pas trop tard. Vous savez si le conseil est encore en vie? Ils sont dispersés. J'en saurai plus en ayant accès au terminal du SSC. Vous pouvez nous faire entrer? Je vais prendre la porte. Si personne ne me tire dessus ce coup-ci. Il va l'emmener avec lui. Allez, en avant compagnie. Je l'aime beaucoup, je l'apprécie beaucoup plus Shepard, hein. Sans le casque, ça fait beaucoup plus Space Opera qu'avec le... Enfin, je trouve que ça fait beaucoup plus stylé, quoi, de voir le vrai visage de Shepard. Avec sa petite tunique. Nous y voilà. Accès au réseau du SSC de la part de Cerberus. À quoi ça va nous servir? Cerberus contrôle les canaux principaux, mais je peux en ouvrir un autre. Sans ça, nos agents n'ont ni plan ni espoir. Eh ben,
Vous avez quoi? Un avertissement du conseiller Eschyle. Elle devrait être ici pour voir l'exécuteur. Cette action pourrait entraîner une riposte. En voilà un euphémisme. Si elle est avec eux, elle est dans le pétrin. Un conseiller, c'est mieux que rien. Où dois-je aller? Le bureau de l'exécuteur est défendable. Elle a pu se jeter au sol quand la fusillade a éclaté. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça. Allez, on va sauver la conseillère. Voilà, on peut parler par Omnitech. Allez. Allez, go. On va essayer de sauver la conseillère. J'ai gagné de l'XP, nickel. Je vais peut-être repasser, pas sur le sniper, pas là-dessus, mais sur le petit scorpion. J'espère que c'est par là. Terminé, au revoir. Voilà. Ok, il y a du monde qui arrive là. Ça fait plaisir. Allez, venez, venez déguster. Ouh là là, ça fait mal ça. On va essayer de rester à couvert quand même. On va éviter de crever. Un petit coup de médigel. Peut-être prendre le sniper sur celui-là, ouais. À couvert. Recharge, une balle dans la tête. Voilà, une balle dans la tête, nickel. Là-haut, nous avons un ennemi, on va essayer de le one-shot, s'il veut bien se montrer. Et hop là, un petit file. Allez, on va réessayer le coup. Voilà, headshot terminé. Magnifique, magnifique. Alors on va continuer avec le sniper puisque ça marche bien. Là, ils ont une espèce de protection qui ne sert à rien. Je pense que c'est par où, c'est par où, c'est par où. Je suis un petit peu perdu là. Non, c'est pas par ici. Il faut monter. Okay. Peut-être par là. Ouais, c'est par là. Allez hop. Oh la vache. Allez, un atterrissage forcé. Merde, le file. Allez, headshot, suivant. Allez, suivant. C'est bon. Ce qui est marrant, c'est qu'avec leur atterrissage... J'en vois d'autres grâce aux caméras. Ils sont partout dans la station. Perdu du temps, et ça c'est bon pour moi. On va déverrouiller ça. On continue d'avancer. Ça va, pour l'instant c'est pas trop difficile. Je me suis pas encore tapé d'Atlas. Ça c'est cool. Oh la vache. Merde le file. Faut que je le tue absolument lui parce que sinon. J'espère que je l'ai eu. Non, je pense pas. Il y a trop de. En même temps, s'il me gâche la vue. Allez hop là. Il est pas mort, putain je ne vois rien. C'est pas bon. Puis regardez-moi cet androïde qui ne sert à rien là où je sais pas ce qu'il fait. Puis avec la fumée je ne vois pas grand chose. Ça risque pas de m'aider ça. Toi déjà, tu perds ta tête. Allez, on va se concentrer. On va attendre que la fumée se dissipe un petit peu. Je vais peut-être reprendre Garus parce que là, on s'en sortira jamais sinon. Headshot, nickel. Et là-bas, le dernier en headshot aussi. On va monter là-haut, histoire de. Relève-toi. Laisse la jouer Warrior. Je pense que je vais louper. Ouh là là, on se prend une grenade là. C'est pas évident. J'avance un petit peu, sinon on n'y arrivera pas. Tête. Voilà, terminé. Ça calme bien le sniper quand même. Je pense que je vais la garder cette arme. Parce que dans le genre je calme très vite, ça calme très vite. Alors hop. Là on va récupérer quelques munitions. Nickel. Alors, on continue de progression. Ascenseur sécurisé.
Je m'attendais pas à ça quand même. Ouais, toi tu t'es. Voilà, nickel. Donc là on a un panneau peut-être à déverrouiller. On va déverrouiller ça. Alors, je change les armes. D'argent. Ah non, fusil à précision, canon allongé 2. Nickel. On a des munitions, je suis à fond. Ok, et là c'est donc pour utiliser. Non, ça c'est pour modifier son arsenal. Atelier de modification. Non, non, ça on s'en fout. Allez, on reprend le sniper. Le sniper, j'ai dit. Et on monte. Vous avez trouvé des survivants? Pas encore. Bon sang, cherchez encore. Ok, donc ici on a déjà un cadavre, pour commencer, ça commence très mal. Merde, là, j'imagine... quel genre d'idéologie bidon vous pousse à buter des flics? C'est un outil de recrutement pour ces barjots? L'attaque de la citadelle peut être vue comme une étape dans l'instauration de la suprématie humaine. Le SSC pourrait être facilement diabolisé. Comme d'habitude, faites pause hein, si vous avez le temps de lire, moi j'avance. La forte proportion de Turiens dans ses rangs et l'inaction du Conseil face à l'invasion de la Terre pourraient les désigner comme des... C'est là-dedans en plus, nickel, on va voir ce que c'est. Frelon, quoi. Confirme. Et voilà, une nouvelle arme, on va tester ça en live. Voilà. Ils disent à leurs gars de foutre la citadelle en l'air pour le bien de la Terre. C'est vraiment tordu. Ça a l'air d'être méchant, ça. On va voir, hein, j'espère. J'espère que ça fait bien mal. Alors attendez, qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est par là. Hop. Nickel. Ça fait super mal ça quand même. Hein. Oh la vache! Ah comment ça nettoie? Oh! Attendez, on va juste modifier les balles de ce truc là. On va les foutre en incendiaire en plus. Donc là je pense que ça va faire très mal. On doit plus être loin. Visiblement, nous arrivons après la bataille. Nickel. Ici, c'est bon. Nickel. Toujours penser à ramasser quand même des idées, des pièces. Même si vous êtes en mode action, ça peut toujours servir. Putain, comment ça fait mal! Oh la vache! Regardez, ils font vraiment pas long feu. Hein. Voilà, un petit grenade derrière moi. Putain, ça fait super mal le frelon. Oh la vache, porte bien ton prénom. Non, non, pardon. Ok, on va se cacher, récupérer l'armure. Hop. Terminé. J'ai ramassé fusil précision mode perforant. Ah, ça, je pense que c'est pour les armures. Ça va être classe. Ça va être même méga classe. Allez hop. On va continuer la progression. J'imagine que c'est par ici. Cinématique. Bailey, on dirait qu'ils ont eu l'exécuteur et deux gardes du corps galarien. Bon sang. Ok, cherchez encore. Si vous ne voyez pas le corps du conseiller, c'est qu'elle est vivante. Nous l'avons trouvée. Elle a l'air indemne. Mettez-la à l'abri. Ah, il y a un mec à droite là, faut faire gaffe. Ouais, c'est un genre d'assassin, c'est vraiment pas bon ça. Ouh là 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 là. C'est vraiment pas bon du tout ça. N'y pense même pas. Shepard, il va tous nous tuer. Ça reste à voir. Je parle d'Oudina, c'est un coup monté. Les autres conseillers vont droit dans un piège. Trois contre un, mon pote. C'est la fin. Non, on va s'amuser. Vous allez le payer très cher.
un assassin. Il prend la fuite. Il doit être aux trousses du reste du conseil. Faites tourner l'info. Udina tente de s'emparer du pouvoir. Je dois atteindre les conseillers. On les emmène vers une plateforme pour navette sur le Présidium. Vous pouvez démarrer. J'essaie de les contacter. Ah, ils ont pris la voiture de flic, quoi, carrément. J'ai du neuf sur la position du conseil. Je l'envoie à votre voiture. Beau travail, Bailey. Nous y sommes presque. Oulala. Oh la vache. Oh la vache. Ah ouais, là ça craint. Là ça craint un max. Dans la merde. Et à Shepard qui est dehors, il en a rien à branler. Pour lui, c'est normal. Oh la vache, ils vont se cracher. Putain, c'est vraiment la merde. Bon, ça va. C'est moins grave qu'il n'y paraît. On a survécu. Votre voiture est à l'arrêt. Je suis à pied à présent. Avez-vous pu contacter le conseil? Négatif. Leurs gardes sont morts. Mais nous captons toujours des signes vitaux sur les transpondeurs du conseil. Où se dirige-t-il? La plateforme pour navette au-dessus de la place Chalmar. Udina est avec eux. S'il les amène à portée de cet assassin, tout sera foutu. J'y vais. Ok, donc là c'est des assassins. C'est vraiment pas bon pour moi du tout. Pas bon. Là, faut vraiment que je recule. Là, je vais m'en prendre plein la gueule. Nettoyer, on va essayer de nettoyer l'assassin. C'est bon, on a eu l'assassin, Cerberus fantôme. Codex mise à jour. Je vais mettre un petit peu de vie. Hop. Elle est vraiment bien cette petite arme, franchement ça nettoie de, aussi bien de loin que de près. Et c'est un petit peu trop de recul en fait. Attendez, genre de prendre, on va prendre le sniper. Ouais, parce qu'elle est prête à bouffer sa balle. Allez, relève-toi. Voilà, terminé. Suivant. Elle est ici, elle est ici. Dès qu'elle se relève, je lui mets une belle balle dans la tête, ça va la calmer. Voilà, terminé, headshot. Allez, on continue. C'est pour ça que j'aime bien le sniper. Moyen radical de d'éradiquer vos ennemis en une seule balle. Super bien fait. Allez, un petit saut. Voilà. Oh la vache. Allez, toi tu vas te calmer. Putain, je vais enlever toute son armure, non, mais pas toute sa vie. Des épées? Sans déconner. Allez, headshot. Efficace aux armes blanches, désensibilise les soldats humains vis-à-vis. Ouh là là, une petite grenade, faut bouger les gars. Et un moissonneur dans le crâne, c'est pareil. C'est pas. Allez, headshot. Restez concentré. Je vais garder le sniper parce que je suis chaud avec aujourd'hui. J'ai failli à cause de l'assassin qui se dirige droit sur moi. Oh la vache. Ah putain, le fail, je vais crever. Allez, recharge, simpack. Putain, un coup d'épée en plus quoi. Putain, la saloperie quoi. Ah putain, j'ai loupé la tête. Oh là là, ça m'énerve genre de... Mais heureusement qu'il y a le bug. Heureusement qu'il y a le bug de la voiture. Il y a un autre assassin ici. Vise la tête, vise la tête. Non, ta gueule. Tu failles me faire exploser quoi. Alors lui ça va être facile. On va repasser au scorpion sur ce coup là. Voilà, ici on a un copain, non c'est bon. Brûlure d'enfer. Terminé.
putain, j'ai eu chaud, hein. J'étais à deux doigts de la mort. Est-ce qu'elle a envie? Madame, vous allez bien? Non, je pense qu'elle est morte. Ok, on va passer par ici. C'est vraiment beau, hein. C'est génial, on est... Allez, hop. J'espère qu'il va pas y avoir un moissonneur qui va bloquer la citadelle. Parce qu'à mon avis, s'il y a Cerberus qui est là, les moissonneurs sont pas loin. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Faire un petit jump ici, voilà. Hop, remonter ici. Repasser là. Ok, ça va. Pour le moment, je m'en sors pas mal. Allez, jump. Nickel. Oh my fucking god! Allez, on va lui lancer quelques attaques dans la gueule. Là, c'est le moment de tout sortir. Ils essaient d'atteindre le quai des navettes. On va se calmer quand même. Génial. Voilà, je tire dans la fumée, mais je pense qu'il va sortir de la fumée, le machin. Ouais, il est là, il est là. Ouh là 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 là. Tire à côté. Ah, en plus, ça, son armure se recharge. On va éviter. Ah non, mais évite d'aller là-bas. Tu vois bien que tu fais pas le poids, quoi. Voilà, en plus c'est les espèces d'assassins de merde, c'est génial. C'est bien, j'en ai plein la gueule. Allez, encore un peu, on va tirer dans la grosse vitre là, là-haut. Conducteur, voilà, au bout de la tête. Allez, Atlas détruit, terminé. Nickel. Allez, on continue là, on va se faire quelques assassins. Ok, j'ai plus de munitions. On va se calmer, on va reprendre une arme qui défonce bien. Calmé, terminé. Ici, donc on a encore un collègue qui nous tire dessus. Non, c'est bon. Alors, on continue. J'imagine que c'est par là. Voilà, cinématique. C'est intense, les enfants. Hein. Cerberus, ça a beau être que des hommes, mais c'est intense. Mais il nous fait vraiment chier là, ce mec. Hein. Ok, je suis dans la cage. Accrochez-vous, l'ascension sera rapide. Dites-moi que cet assassin n'a pas atteint le conseil. Il essaie, mais je force son ascenseur à s'arrêter à chaque étage. Ok, je pense qu'on va basculer sur l'arme qui bouille bien. Je l'ai trouvé. Bousillez son ascenseur. L'alimentation est juste dessous. C'est bon, je crois qu'on a gagné. Et je pense qu'il va nous... Je t'ai eu alors que c'est moi qui ai tiré quand même. Des voilà. Fantômes arrivent. On va juste prendre des balles incendiaires. Où ça? D'accord, des fantômes sur l'ascenseur. Putain, mais c'est qui ces mecs? C'est qui ces mecs? Regardez-moi ça. Ouh, tu vas pas péter les couilles toi. Voilà, dégage de là. Allez, petit multipack. Ah putain, j'ai pas eu le temps. Ah, c'est putain, c'est méga chaud quoi. Oh, oh la vache, putain. Oh, je crois que putain, c'est le mot que chaque gamer doit dire. Ok, je suis dans la cage. Accrochez-vous, l'ascension sera rapide. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi elle m'a poussé? C'est une tarée quoi. Dites-moi que cet assassin n'a pas atteint le conseil. Il essaie, mais je force son ascenseur à s'arrêter à chaque étage. Bien vu. J'ai trouvé. L'alimentation est juste dessous. Minute. Je dois pouvoir surcharger son voile. Ah, ça c'est fait. J'espère que ça vous a aidé. Ça ne marchera pas deux fois. Ok, donc on va protéger nos alimentations ici. Des fantômes arrivent. Et là on va directement l'accueillir avec une légère grenade. Même une double grenade, ça va calmer. Vous les avez descendus. Ah, ce fut rapide quand même. Hein. Mauvaise nouvelle. Parce qu'il y en a des bonnes. L'assassin a sauté dans un autre ascenseur et il a piraté mes commandes. D'accord. Il monte en ce moment. Je ne peux rien faire. Je m'en charge. On va l'accueillir. Au-dessus. Au-dessus. Où est-ce qu'il est?
Allez, bah là il va retomber. Ah la vache, c'est n'importe quoi. Donc, on a un autre ascenseur qui va arriver à notre gauche, c'est ça? Les voix, sautez. Allez, hop, un petit coup de grenade. On se dans la gueule. Passez en premier, commandant. Allez. Allez. Oh putain, j'ai réussi. Ah, en fait, fallait sauter vous sur l'ascenseur. Des tireurs, baissez-vous. Ah, c'est Ashley. C'est Ashley qui est sur l'ascenseur. Allez. Retourne à l'ascenseur. Shepard ? Shepard nous empêche de fuir. Il est avec Cerberus. Il est complètement con. Arme à terre, tout le monde. Vous n'êtes pas en position de décider. Dites ça à mon flingue. Shepard a avoué avoir travaillé avec Cerberus. Il est peut-être encore avec eux. Voici le conseiller Véchil se faisant assassiner dans le QG du SSC, et voici Shepard qui presse la détente. Vous allez le payer très cher. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Je vous crois. L'ascenseur derrière nous est rempli de soldats de Cerberus. Si vous ouvrez cette porte, ils vous tueront tous. Ce que dit Shepard est possible. Peu probable, mais possible. On n'a pas le temps de disserter. Si nous restons ici, nous sommes morts. Je lève le confinement. Rengainez votre arme, soldat. H. Merde. Conseiller, la porte. Putain, mais quel con. Quel con. Et voilà, on a tué donc Ashley et un conseiller, c'est génial. Ashley. Bon sang, Ash. Il était avec Cerberus. Vous aussi. J'espère que les moissonneurs vous enverront en enfer. Putain, elle a une sale tête. Oh là là, elle est dégueulasse en fait. Heureusement que je l'ai buté. Je suis désolé, mais elle commence à me casser les couilles. Reculez. Je vous couvrirai s'il passe la porte. La porte ! Belay ? On a fait aussi vite que possible, Shepard. Oh mais... On dirait bien que... Oh la blague. Vous avez tout réglé. Oh la blague. Alors c'est vrai, nous étions en danger. Je viens de buter Ashley. Vous disiez que Cerberus était là. Désolé les gars. Cerberus était juste entre là. Mais leurs troupes ont filé dans les tunnels là, des veilleurs quand Ashley, ils ont su que nous arrivions. La gueule. Un vrai conseiller, j'irai droit au but. Je m'en fous, de toute façon, elle servait à rien, c'était une conne. Je suis désolé. Alors je vous suis redevable. Je vais être un peu hautain, mais franchement, Ashley. Entre le primaire et le cœur qu'elle est à l'hôpital, je ne parvenais pas à obtenir. Votre vie a été chèrement payée. Shepard, pourquoi Cerberus ferait une chose pareille, à votre avis? J'en sais rien. Mais je compte bien trouver. Très bien, les gars. Les grands ponts sont évacués et nous avons un tunnel et 1000 autres endroits à nettoyer. Bougez-vous! D'accord, qu'est-ce qui se passe? Ah, d'accord. Oui? Ça ne s'est pas passé comme prévu. Le Conseil contrôle toujours la citadelle, et Udina est mort. Udina était sacrifiable. Et maintenant ? D'autres plans sont en branle. Je vous en dirai plus à votre retour. Je suis surpris que vous ayez laissé Shepard vous battre, Leng. Ça ne se reproduira pas. Nous verrons. Je pense que je vais le buter, ce mec-là, hein, parce que c'est quand même lui qui... C'est à cause de lui qu'Ashley est mort, je suis désolé. Je veux dire, c'est pas de ma faute. Bon, la meuf aussi, elle est un peu conne.
Viens, elle revoit Shepard, le mec qui lui. On a passé au crible la moindre parcelle de ces tunnels, Shepard. Votre copain de chez Cerberus s'est volatilisé. Ce sont des tunnels, exact. Juste une entrée et une sortie. Non, ce tunnel des veilleurs mène du hall des ascenseurs vers une superstructure. Une fois dedans, c'est comme visiter une fourmilière. On ne connaît même pas son identité. Il a lâché une IV dans le réseau de la citadelle qui a effacé toute trace vidéo de lui. C'est sûrement comme ça qu'Oudina a pu avoir si vite des images trafiquées de vous. Qui que ce soit, c'est un pro. C'est un être comme vous et moi. Il commettra une erreur. J'espère être là pour le voir. Beaucoup de braves gens sont morts aujourd'hui. D'ailleurs, il faut que j'aille voir les blessés. Faites attention à vous, Shepard. D'accord. Eh bien, donc, on va s'achever ici, dans le bureau de Bailey. On se reprendra donc pour la partie 10 de Mass Effect 3. Encore une fois, j'ai fait une petite erreur. Pourtant, j'aurais pu lui tirer dessus dès le départ. C'est-à-dire que la meuf, quand même, j'ai laissé une chance. Mais bon, voyant qu'elle s'était mise du côté du mec qui est avec Cerberus, elle ne m'a pas laissé le choix, j'allais pas... Mais après, comment voulez-vous que je... Comment savoir que derrière, en fait, c'était Bailey? C'est ça, le truc, en fait. C'est pour ça que dans le jeu, tous les choix sont un petit peu... Je crois que Shepard, il fait un peu la gueule. Enfin bref, on se reprend donc pour la suite. Et je vous dis donc à la prochaine. Putain, j'ai tué Ashley. Putain.